Sois le bienvenu à Alexandrie, César. Le roi Ptolémée t'attend. Allez, César! Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Il est en âge de régner, César. J'ai 12 ans. 12 ans? Ah. Moi, je suis en âge de régner. Et qui es-tu? Je suis Arsinoé, reine d'Égypte. Ce n'était pas le vœu de ton père. Mon père est mort. Mais lui payait ses dettes à Rome, Arsinoé. César, permets que je t'explique. Qui est cet homme? Poteinos. C'est le premier ministre du roi. Plus tard. Au fait, où est ta sœur aînée? Cléopâtre a quitté notre royaume. Oui. As-tu l'argent que vous nous devez? Les intrigues de Cléopâtre ont complètement vidé nos réserves. Dans les circonstances présentes, nous ne pouvons malheureusement pas payer nos dettes. Ce n'est pas un problème. J'irai me servir. César est grand. Continue. Si tu accordes ton soutien à Arsinoé en tant que reine... César, j'assurerai la paix et la prospérité de notre royaume. César... Où est postée votre armée? À Pelusium. Ah. Vos soldats défendent l'Égypte contre Cléopâtre. Il faut donc qu'elle soit bien dangereuse pour vous. Je veux rencontrer cette femme qui prétend être une déesse. Suis-moi. Qui es-tu? Je suis Olympos, le médecin de la reine. Viens. Olympos, c'est une fille de joie. C'est ce que l'on m'a dit, en effet. Approche. Quel est ton nom? Shoshiba, Majesté. On m'a dit que tu étais la courtisane la plus accomplie d'Ashkelon. Là... Je voudrais me faire aimer d'un homme. Je vois. Mais il y a tellement de choses à dire. Existe-t-il un art de s'unir dans l'acte d'amour? Oui. Les hommes adorent qu'on les caresse. Mais chacun d'eux est différent. Cet homme-là est un conquérant. Il est très facile de mettre ce genre d'homme dans son lit. Mais il est plus difficile de l'intéresser longtemps. Noble reine, quoi que tu aies déjà pu lui donner, il te faudra absolument lui faire croire qu'il n'a pas complètement fait ta conquête. Remarquable ce phare. Oui, en effet. Il paraît qu'on l'aperçoit à 30 000 à la ronde.
Des nouvelles de l'armée de Ptolémée ? Ils n'ont pas bougé. Ils protègent toujours la frontière contre Cléopâtre. Combien d'hommes ? Ils sont 20 000. Si jamais ils se retournent contre nous, ils sont 5 fois plus nombreux. Ave, César. Et nos barbus ? Nous avons rempli de céréales 6 navires. Bien, ce sera suffisant pour couvrir la dette de Ptolémée. On ne va pas faire mourir de faim les Égyptiens. De grandes quantités ont été réquisitionnées par l'armée royale pour lutter contre Cléopâtre. Le reste a été pillé. Amène-moi le directeur des réserves royales. Oh, puissant César, ce n'est pas moi qui ai volé les céréales. Je n'y suis pour rien, il faut me croire. Qu'on l'exécute. Non, non, César, je peux rentrer, tout ce qui manque. Viens par ici, avance. C'est Poteinos, c'est Poteinos. Ah, Poteinos, il en a probablement vendu une grande partie à nos ennemis. Dommage qu'on ne puisse pas castrer un eunuque. Je veux voir César. Pas maintenant. Que se passe-t-il ? C'est très important. Arrière ! Fais quelque chose ! Ils veulent m'exécuter ! Je t'en prie, Vardian ! Vardian ! Désolé de te déranger, César, mais cet homme dit avoir un cadeau pour toi. Un magnifique tapis, César. De la part de la reine Cléopâtre. De la part de Cléopâtre ? Pose-le-là. Mais tu ne l'as pas encore examiné, César. Demain. Oh, majesté, je t'en prie, regarde-le. La reine Cléopâtre a insisté pour que je le déroule en ta présence immédiatement. Alors déroule-le. Oui. Combien vaut-nous d'hommes pour garder le port ? 2 centuries. Mais en 3 fois plus. Il ne faut pas perdre le contrôle du port. Poste-les ici. Et ici. S'ils attaquent, c'est la seule voie de sortie. Bien jeune pour être une déesse. Je suis la fille d'Isis. Cléopâtre. Oui, César. Et pourquoi es-tu venu à César ? Mon père était un fidèle allié de Rome, et c'est moi qui l'a couronné avant de mourir. Je suis la véritable souveraine d'Égypte. Ta sœur a un avis différent. Arsinoé est une traîtresse. Et le jeune Ptolémée ? C'est un garçon stupide qui a été manipulé par un régent fourbe. Me rétablir sur le trône est dans ton intérêt. Et pourquoi devrais-je te choisir toi, plutôt qu'eux ? Parce que je suis le successeur de mon père. Le peuple le sait très bien, son soutien m'est acquis. Le peuple ? Le peuple serait très heureux de te voir, toi et tous les membres de cette dynastie, donner en pâture aux crocodiles affamés du Nil. Je suis fatigué, et je suis certain que tu l'es, toi aussi. Tu devrais aller te coucher maintenant. Où cela ? Lorsqu'elle saura que je suis dans le palais, ma sœur voudra me faire tuer. Le seul lit qui ne représente aucun danger pour moi est le tien. Je ne pense pas que cela soit très prudent. César n'est pas connu pour sa prudence. Mais plutôt pour son audace.
Ce n'est pas nécessaire. Cela n'influencera en rien la décision que je prendrai. Je n'ai jamais touché une femme qui ne souhaitait pas mes caresses. Je les souhaite, César. Je n'ai peur de personne. J'ai l'impression que pour toi, c'est la première fois. Nous devons prendre des mesures immédiates pour restaurer la confiance du peuple en ses souverains, sinon l'Égypte plongera dans l'anarchie. Vous approuvez ? Certainement. Et je crois que la meilleure façon d'obtenir paix et stabilité est de proclamer Arsinoé et Ptolémée. Que fait-elle ici, César ? Elle est venue me voir la nuit dernière. Nous avons eu une conversation très intéressante. Je suis surprise que le grand César discute avec une ennemie de l'Égypte. Il avait envie de connaître la vérité, de savoir comment vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Comment tu as empoisonné les pensées de notre frère pour le retourner contre moi. Empoisonner ses pensées? Oui. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Même un petit garçon peut voir que tu es une traîtresse, une intrigante. C'est toi qui as trahi Arsinoé. Taisez-vous, toutes les deux. Tes sœurs ont un tempérament très fougueux. César, si tu permets... Jeune Ptolémée, feu ton père a toujours payé son dû à Rome. Par conséquent, Rome a toujours respecté la souveraineté de ce beau royaume qu'est l'Égypte. Tu continueras à le diriger en tant que roi, et ta sœur, Cléopâtre, en sera la reine. C'est un véritable scandale. Et de plus... j'ai décidé que tu prendrais pour épouse Cléopâtre. Jamais. Je ne veux pas épouser un enfant. Tu es une princesse égyptienne, et selon la coutume ancestrale de ce royaume, l'inceste entre un frère et une sœur de sang royal est tout à fait acceptable, bien qu'étant désapprouvé par la plupart des autres peuples. Si j'ordonne ce mariage, c'est pour préserver l'unité de l'Égypte. Je ne crois pas que tu sois soucieux du sort de l'Égypte. Au contraire, le sort de ce royaume m'importe beaucoup car c'est une source de richesse. Et je ne laisserai personne le mettre en péril et le ruiner dans une guerre civile. Que fais-tu de moi ? Toi, je te donne Chypre. Cette île fera à nouveau partie de la maison de Ptolémée. Chypre ? Ça n'est pas suffisant. César, puis-je te dire... Potéinos, ta loyauté envers le roi sera récompensée. Ce sera tout.
Tu peux rester, Cléopâtre. J'ai à te parler. Comment as-tu osé faire cela? Je viens de te nommer reine d'Égypte. Il faudrait peut-être que je te remercie. Tu dois comprendre que je n'ai pas agi par courtoisie, et certainement pas par inclination. J'attends de toi que tu rétablisses l'ordre et que tu payes tes dettes envers Rome. Je ne fais que m'assurer que mon investissement a un bel avenir devant lui. Et plus vite je serai loin de ce nœud de vipère, mieux je me porterai. Un nœud de vipère? C'est toi qui l'as créé. C'est moi qui l'ai créé? Oui. Toi et ta cupidité, toi et ton arrogance. Par un chantage ignominieux, année après année, tu as forcé mon père à acheter la paix avec l'Empire. Si c'est moi qui avais été la souveraine, c'est une guerre que tu aurais eu à affronter. Tu n'aurais pas pu la gagner. Tu aurais tout perdu. Tu dois apprendre à être une reine. Mais je suis une reine. Non, tu ne l'es pas, Cléopâtre. Pas encore. Il te faut apprendre à penser comme une reine, selon les règles stratégiques. Tu dois commencer par accepter de partager le pouvoir avec Ptolémée. Ainsi, nous démobiliserons son armée. Mes amis, revêtons les guirlandes de la joie et de la fête. Aujourd'hui, le roi Ptolémée et la reine Cléopâtre ont consenti à vivre en harmonie en tant que mari et femme, et à régner d'un seul esprit. La paix et l'entente étant restaurées au sein de la famille royale, il devient inutile de faire parler les armes. C'est pour moi un grand plaisir d'honorer, devant vous tous, notre très respectable ami Poteinos, en lui confiant la tâche d'aller de toute urgence à Pelusium apporter cette grande nouvelle. L'armée royale est démobilisée, et les soldats peuvent rentrer chez eux. La paix est rétablie. L'escorte personnelle de César t'accompagne. On ne peut pas faire confiance à Poteinos. Si tu l'envoies là-bas à Pelusium, il prendra le contrôle de l'armée pour servir ses propres ambitions. Viens avec moi. Nécessaire de frapper le premier, Cléopâtre. Tu as bien fait. Tu n'es pas choquée? Choquée? De telles choses n'ont rien de surprenant pour moi. Ouvre les négociations avec les généraux égyptiens. Envoie-leur sa tête. Majesté, personne ne m'a averti de ta venue. Tu n'es qu'un crétin. Pourquoi as-tu laissé Cléopâtre passer la frontière? Ordonne aux vaisseaux de guerre de se diriger vers Alexandrie. Quant à nous, nous partirons aux premières lueurs. En avant. César! 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 Qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi, Impérator. Arsinoé s'est enfui. Ptolémée aussi. Ils ne sont plus dans la cité. Ils sont allés à Pelusium. Rejoindre l'armée. Ils veulent nous faire sortir d'Alexandrie. Rassemble tout de suite mon état-major.
avons cet endroit à défendre, celui-ci et celui-ci. Il nous faut plus de... Les renforts sont à plusieurs jours de marche. Nous devons absolument tenir le port. Sinon, l'ennemi risque de détruire notre flotte. César, les Égyptiens sont en marche. Ils attaqueront par voie de terre et de mer. L'ennemi nous surpasse en nombre. Nous ne pourrons pas tenir. L'échec est assuré. Abandonnons le port et laissons-les entrer dans la cité. Mais la défaite est assurée. Si nous perdons cette bataille, tu perdras tout ton empire. Cette bataille ne te concerne pas. Retourne à Rome, César. Tu n'as pas le choix. Non. Si nous combattons à l'intérieur des murs de la cité, nous pourrons les prendre au piège. Toutes les voies conduisent à la cour du palais. C'est là que tu pourras les détruire, César. Tu lis dans mes pensées, Cléopâtre. On a toujours le choix, Rufio. Nous combattrons dans les rues de la cité. Et lorsque la victoire sera à portée de leurs mains, nous jetterons toutes nos forces dans la bataille. Mes compagnons, nous avons toujours pris des risques et nous avons gagné. Aujourd'hui, l'enjeu est très élevé. Le prix à gagner est l'Égypte. Cornelius. Laisse-les entrer.
C'est ma bibliothèque qui brûle. Il faut que je fasse quelque chose. Non, non, Majesté. C'est trop dangereux. Archer! En position! Les cavaliers rebelles ont réussi à passer. Je dois te conduire en lieu sûr, Majesté. Où es-tu, Majesté? Tu n'es pas blessé? Je suis désolé, je ne peux pas te laisser quitter le palais! T'en prie, aide-moi, Rufio, notre plus grand trésor va être détruit! Désolé pour la bibliothèque. La moitié est partie en fumée. La moitié de la connaissance du monde est détruite. Tu auras une cicatrice. C'est sans importance. J'ai perdu 700 hommes aujourd'hui. Mais j'ai gagné ma plus grande victoire. Que sont devenus Arsinoé et Ptolémée? Ils n'ont pas encore été retrouvés. Mais ils n'iront pas loin. Alors, ce n'est pas fini.
Te voilà l'unique souveraine d'Égypte. Qu'as-tu l'intention de faire? Réaliser l'unité de cette terre. Lui donner la prospérité à laquelle le peuple aspire. La dette que nous avons envers César sera payée. Largement. Où est Arsinoé? Nous l'avons faite prisonnière. Et ensuite? Tu as fait tuer mon frère. Pourquoi pas Arsinoé? Tu as l'intention de la garder pour un jour t'en servir contre moi? Arsinoé représente une certaine valeur à mes yeux. Elle est à moi. Non. Où est-elle? Je suis désolé, Majesté. Aucune visite n'est autorisée. Je suis la reine d'Égypte, et tu es ici, dans mon palais. Laisse-moi passer. Tu viens pour me tuer? Non, pas encore. Dis-moi, Arsinoé. Éprouves-tu du chagrin pour notre pauvre frère? Et toi? Il était ton ennemi tout comme moi. Tu en as fait mon ennemi. J'essayais seulement de le protéger contre toi. Tu es capable de faire n'importe quoi pour obtenir le trône. Tu n'as pas hésité un seul instant à devenir la putain de César. Je ne suis pas sa putain! Je l'ai conquis! Tu as remis notre royaume entre ses mains. Et toi, tu as tué notre père. Ce n'est pas vrai. Tu as essayé d'empoisonner son esprit, de le retourner contre moi comme il refusait de t'écouter. C'est son corps que tu as empoisonné. Tu l'as assassiné! Ça n'est pas vrai. J'aimais notre père. L'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Toi et ta jalousie maladive, ta convoitise, ta soif de pouvoir. Tu me donnes envie de vomir. Ce soir, j'en aurai fini avec toi. Si tu me tues, César se retournera contre toi et il te verra alors tel que tu es, une catin et une ordure. Tu crois peut-être que César te laissera sur le trône d'Égypte quand il ne te voudra plus dans son lit? Tu te trompes! Tu n'es qu'une traînée! Tu n'as pas respecté mes ordres. Pourquoi? Il le fallait. C'est une manie chez vous. Les sœurs se tuent entre elles, les pères tuent leurs propres filles. Est-ce qu'à Rome, c'est si différent? C'est terminé maintenant. Je voulais que ça le soit avant que mes enfants ne viennent au monde. Poussez! Tirez!
J'ai l'impression d'être au paradis. Merci de m'avoir emmené ici. Pourquoi as-tu refusé au début? Parce que je suis romain. Parce que je déteste l'oisiveté. Parce que la volupté et la sensualité sont une forme de trahison. Alors l'Égypte va conquérir Rome, monseigneur. Ça m'est égal. Tu es heureux avec moi? Oui. Ah. Retirons-nous. L'Égypte est riche. Elle t'appartient. Avec ce qu'elle va te donner, tu pourras conquérir l'Orient, le monde entier. Tu oublies que je sais lire dans tes pensées. Faisons-le. Ensemble. L'Égypte et Rome. Le plus grand empire qui aura jamais existé. César et Cléopâtre. Une nouvelle dynastie. Oh, je suis heureux que tes ambitions soient aussi démesurées que les miennes, ma belle reine. Ta belle reine. Et la femme que tu as laissée à Rome, que fais-tu d'elle? Il y a des années que je ne l'ai pas vue. T'a-t-elle déjà donné des enfants? Oui, une fille. Julia. Elle est morte. Regarde. Personne ne sait qui l'a fait, ni pourquoi. Il restera pour toujours un mystère. Comme toi. Il garde les tombes des rois disparus. Les pyramides. Des rois oubliés. Qui n'ont laissé pour seul souvenir que des tombes. Et ce dieu de pierre. Qui s'effrite et se désagrège dans les sables du désert. Quelle futilité! La cité des morts. Seuls les dieux vivent pour toujours. Il faut que je retourne à Rome. Non, reste avec moi ici, en Égypte. Lorsque je suis avec toi, je ne suis plus moi-même. Tu m'as ensorcelé, Cléopâtre, tu m'as jeté un sort. Il faut que je rentre. Non. Non. Je suis déterminé à conquérir et à diriger ce monde. Je ne laisserai pas derrière moi des pierres qui s'effritent, mais un nouvel ordre mondial. Qui changera le présent et qui formera, qui façonnera l'histoire à venir. Le roi Pharnace a reconquis le royaume du pont. Tous les citoyens romains ont été soit tués, soit castrés. Quoi d'autre? Marc-Antoine t'envoie un message urgent de Rome. Tes ennemis cherchent à retourner le Sénat contre toi, Brutus en particulier. Quels sont ses arguments? Il dit que tu ne t'intéresses plus aux affaires de la République, que tu préfères vivre dans le luxe en Égypte. Dans le luxe?
Il a raison. Eh bien? Tu attends un enfant. Je le savais! Je croyais t'avoir donné quelque chose pour que cela ne se produise pas. C'est sans doute parce que je le voulais. Pourquoi? Oh, mais parce que ce sera l'enfant de César. Il aura envie de le protéger, et donc de protéger l'Égypte. Mais il ne sera jamais autorisé à le reconnaître. Rome ne tolérera pas le fruit de l'union entre le grand Jules César et une reine orientale. Il a déjà ébranlé Rome jusque dans ses fondations. Il peut faire tout ce qu'il souhaite, c'est un dieu. Je te connais depuis que tu es venu au monde. Dis-moi la vérité. Cela fait-il partie d'une stratégie? Ou aimes-tu réellement Jules César? Il n'y a peut-être pas de différence. Quand vas-tu le lui dire? Rufio, je te laisse 3 légions. Ça devrait être suffisant pour maintenir la paix. Veille sur Cléopâtre, mon ami, protège-la. Entendu. Que personne ne lui fasse de mal. Assure-toi qu'elle ne fasse rien contre Rome. Mais que font-ils? Je quitte ma vie de luxe. Maintenant? Combien de temps voudrais-tu que j'attende? J'ai une guerre à mener et je dois rappeler aux sénateurs romains que c'est moi qui commande. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de toi ici. L'Égypte a besoin de toi. Eh bien, l'Égypte devra attendre. Tu ne veux plus protéger ton investissement? J'ai à faire face à la famine, aux émeutes, aux révoltes et toi... Tu es la reine d'Égypte. Je te laisse régler cela. Tu me quittes maintenant, tu perds ta plus grande province. Et tu me perds, moi. Cléopâtre! Je te promets que je reviendrai. Les dieux ne sont pas si cruels. Mais il est des choses dont je dois m'occuper. Pendant un bref moment, toi et moi, nous avons été seuls au monde. Mais cela ne pouvait pas durer toujours. Rome m'attend pour être vengée. Et mon pouvoir doit être restauré. Qu'Isis te protège toujours. César, il badine en Égypte. C'est ridicule. Avec sa reine étrangère. Son absence est scandaleuse. Ça, voyons. Je proteste. Je proteste. Ton manque de respect pour César est aussi vil que tes discours séditieux et pernicieux. Comment oses-tu accuser l'homme qui a conquis la Gaule, qui a étendu l'Empire romain au-delà de tous nos espoirs? Marc-Antoine, je n'ai jamais manqué de respect envers les ambitions de César. Non. Mais tu n'as jamais voulu reconnaître certaines de ses qualités, comme la compassion. Octave, voyons, Octave, je sais que tu aimes ton oncle. Moi aussi, j'aime César. Ah oui, jusqu'à... Mais reconnaissons qu'il néglige Rome. Oui, 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 oui. Il gaspille son temps dans une province aussi inutile que désertique. C'est faux de dire que l'Égypte est inutile. Elle est essentielle à l'Empire romain. Oui. César a déshonoré Rome par sa liaison extra-conjugale avec une orientale. Je te remercie, Cassius. Mensonge.
Quoi que Jules César fasse, il le fait pour une raison, renforcer l'Empire romain. Marc-Antoine, comment peux-tu ignorer son indifférence? Que fait-il pendant que ses concitoyens, ses camarades romains, sont littéralement massacrés? Qui va aller mater l'insurrection du pont Brutus? Qui ira venger Rome? Ce n'est certainement pas toi et tes belles paroles, c'est Jules César. Tout cela est bien joli, encore faudrait-il que l'on puisse le trouver. Vous l'avez trouvé. Tu disais, Brutus? Le Sénat. Allons, Brutus. Bienvenue à Rome, impérator. Arrêtez César! Arrêtez César! Cet homme a tranché la gorge de son frère pour une dette de jeu. Qu'on l'exécute. Sous l'emprise de la boisson, cet homme a noyé ses quatre jeunes enfants. Ses propres enfants? Qu'on l'exécute. Salut à toi, très gracieuse reine. J'ai des nouvelles. Charbian, Iras, vite, vos mains. Oh. Oh, je sens qu'il a déjà la force de César. Rufio, j'espère que tu as tenu ta promesse. Il me déplairait fortement que Rome soit au courant de l'événement que j'attends. Ton secret est en sécurité avec moi, noble reine. J'ai des nouvelles de Jules César. C'est un exemplaire de son rapport au Sénat. Mardian, il a conquis le royaume du pont. Un message de César? C'est une invitation à venir lui rendre visite à Rome. Ce n'est même pas signé par lui, mais par l'un de ses aides de camp. Cela ressemble plutôt à une injonction. Il souhaite ma présence pour célébrer sa victoire. Pourquoi donc ne me l'a-t-il pas écrit lui-même? Il a l'esprit occupé par le monde entier, par tous les peuples qu'il a pu soumettre. Il ne lui était peut-être pas facile de t'écrire. Pas facile de m'écrire? Et moi? Il ne m'est certainement pas facile de quitter l'Égypte. Dis à son aide de camp que je décline son invitation. Je te demande pardon. Je suis la reine d'Égypte. Je me rends où j'ai envie de me rendre et uniquement lorsque j'en ai envie. Tu peux disposer, Rufio. Affaire suivante. Cet homme a attaqué un officier romain pour entrer par effraction dans un grenier à blé. Qu'on l'exécute. As-tu dit qu'il avait attaqué un officier romain? Oui. Quel est ton nom? Guevarius. Pourquoi volais-tu mon blé? N'as-tu pas remarqué que ton peuple meurt de faim? Es-tu aveugle? C'est normal que le peuple te déteste tant. Nous sommes tes enfants, mais tu n'as jamais pris soin de nous. Tu n'inspires que la peur. Mais moi, je n'ai pas peur de toi, Cléopâtre. Qu'on le libère. Pardonne-moi d'intervenir, Majesté. Mais cet homme a attaqué un soldat romain. C'est donc à nous de régler cela. Alors pourquoi a-t-on sollicité mon approbation pour l'ordre d'exécution? Par pure politesse. Quoi qu'il en soit, l'affaire est close. Libérez-le immédiatement. Le grenier est bien rempli de blé, n'est-ce pas? Il est plein à ras-bord, Majesté. Il est plein, et le peuple meurt de faim. Ce blé est mis en réserve pour être exporté à Rome, Majesté. Oh.
La fameuse dette de mon père envers Jules César. Il est temps d'y mettre un terme, Mardian. Oh non, Majesté, non! Ne reste pas là, Majesté! Cela pourrait mal tourner! Il faut que tu rentres au palais et que tu attendes là-bas! Je vais faire le nécessaire! Que j'attende quoi? Une autre guerre civile? Majesté, je ne peux pas te protéger ici! Regarde, nos écuelles, elles sont vides! Nous n'avons plus rien à manger, plus rien! Et toi, tu as tout ce qu'il te faut! Ouvrez le grenier! Regarde, nos écuelles sont vides! Mon blé appartient à mon peuple, pas aux Romains! Approchez, servez-vous! Si on sert, ils vont nous massacrer! Au nom de mon enfant qui va bientôt naître, je jure que les Romains n'auront pas un seul grain de blé tant que le peuple d'Égypte ne sera pas nourri. Commandant, que tous tes hommes se retirent. Prenez-le. Il est à vous. Ayez confiance, je ne suis pas votre ennemi. Tenez. Majesté. On va prévenir les sages-femmes. Oh, Isis. Là, oui. Oui. Respire à fond. Oui. Pousse. Oui. Pousse. Où est-il? Apporte-le-moi. Il est petit, mais fort. Quel nom vas-tu lui donner, Majesté? Ptolémée César. Pas lui donner ce nom. Pas sans la permission de César. J'appellerai mon enfant comme bon me semblera. C'est une fantaisie très dangereuse. César ne pourra jamais le reconnaître. Encore moins le proclamer son héritier. Ma très chère reine, tu veux forcer la main à l'homme le plus puissant du monde. Y a-t-il beaucoup de personnes dehors? Toute l'Égypte. Que veux-tu faire? Tu viens à peine de le mettre au monde. Mon peuple ressent le besoin de me voir. Thank you.
César. Sois sage, mon amour. Majesté. Majesté. Eh oh. Qui es-tu? Je suis Marc-Antoine, le commandant de la cavalerie de César. César n'a pas pu t'accueillir en personne et il te prie d'accepter ses excuses. Mais il a été retenu à Rome par des affaires très délicates. Il m'a prié de te dire la grande estime et l'affection qu'il éprouve pour ta royale personne, particulièrement l'affection. Va m'attendre à l'extérieur, commandant de la cavalerie. Mettez le bébé dans une autre litière. Je veux que personne ne le voie. Est-ce que notre magnifique terre te plaît? Tu ne dois pas y voir grand-chose derrière ces voiles. Sens-tu l'odeur des pins qui remplit l'air? C'est vivifiant. Je chassais ici quand j'étais petit. Que signifie exactement commandant de la cavalerie? Cela signifie que je sers César, que j'ai sa confiance et son amitié. Alors, tu es un serviteur? Non, je suis commandant dans son armée. La maison de César est à toi pour aussi longtemps que tu le désires. Où vivent-ils, lui et sa femme? Leur résidence principale est dans la cité, près du temple de Vesta, dans le Forum. Mais celle-ci est celle qu'ils préfèrent. Certainement à cause de cette magnifique vue. C'est si paisible. Aussi paisible qu'un loup qui dort. Cet endroit devient très dangereux, surtout pour César. Que veux-tu dire? Plus César devient puissant, plus il devient vulnérable. Les Romains ont tendance à se méfier d'un homme qui est au-dessus d'eux. Et toi? T'en méfies-tu également? Moi? Non. J'aime César. Il est la grandeur personnifiée. Bien. Je dois prendre congé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à le demander. Quand César viendra-t-il me voir? Il a organisé une réception de bienvenue chez lui demain, avant la parade de la victoire. Au revoir, Majesté. Je n'ai jamais reçu une seule lettre de toi, et tu oses m'envoyer ton commandant de... Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup te présenter. Viens. Qui est-il? Il s'appelle Ptolémée César.
mais j'ai décidé de l'appeler Césarion. Il est de moi. Tu as eu un enfant et tu ne me l'as jamais fait savoir. Jamais cru avoir un fils. Ah, comme il me ressemble. L'annonceras-tu à tout Rome? Je ne peux pas reconnaître cet enfant comme étant le mien. Mais César, c'est le tien. Cela pourrait me faire beaucoup de tort. Cet enfant doit rester un secret entre nous. Promets-le-moi. Cléopâtre. Tu dois me promettre de n'en rien dire. Pour l'instant. La reine d'Égypte. Bienvenue à Rome, Altesse. Bienvenue chez moi. Tout le monde meurt d'impatience de faire ta connaissance. Ma femme... Calpurnia. Je suis très honorée de rencontrer la femme du grand César. C'est moi qui suis honorée de te rencontrer, Majesté. Étant donné l'affection toute particulière que te porte mon mari, comment pourrais-je ne pas faire de même? Mon neveu Caius Octave et sa sœur Octavie. Tu te dois de mieux connaître Octave. Il est l'avenir de Rome. Est-ce vrai, Octave? C'est l'héritage de César qui est l'avenir de Rome. Ou sa ruine? Le plus ardent de mes détracteurs est mon grand ami, Marcus Brutus. Tu t'exprimes avec une incroyable liberté, Marcus Brutus. En Égypte, tu aurais été étranglé sur le champ. Non, c'est sa façon de parler. C'est la façon romaine. Il n'y a pas de roi ici, Majesté. Tous les hommes sont égaux. Ceux d'entre nous qui chérissent la République voudraient qu'il en soit toujours ainsi. Le butin dont mon mari s'est emparé dans ton pays est très impressionnant. Il ne s'agit pas de butin. Ce sont des cadeaux que je donne de mon plein gré à César. En es-tu sûr? Ils sont présentés comme des prises de guerre. Que disent-ils? Il me semble qu'ils disent la putain de César, Majesté. Ce ne soit pas partagé en deux. À mon avis, ce serait nettement mieux ainsi. Non, merci. Non, Brutus, écoute-moi. L'ennui, c'est que notre calendrier est un calendrier lunaire, ce qui rend l'année imprécise. Tu ne suggères tout de même pas qu'il nous faut changer de calendrier? Je veux l'améliorer. Par la réorganisation de chacune de nos journées, César, tu empiètes sur le territoire des dieux. La reine d'Égypte. Le temps n'a pas besoin de ta protection, Brutus.
Bienvenue, gracieuse reine. Nous saluons ton retour. Je t'en prie, oublie les mauvaises manières romaines. Si la reine n'aime pas nos manières, peut-être pourrait-elle repartir chez elle. Vous avez apprécié les prises de guerre. Laissez-moi à présent vous montrer notre plus précieux trésor. Voici ton fils, Ptolémée César. Je dépose ton fils à tes pieds. César, il n'y a aucune preuve que ce soit le sien. César, ne le touche pas. Si tu le prends dans tes bras, tu le reconnais. Voici mon fils. Il s'appelle Ptolémée César. Il semble que tu aies un rival, mon cher Octave. Je t'ai sous-estimé, Cléopâtre. Sais-tu ce que tu viens de faire? Tu m'as forcé la main devant mes concitoyens. Et qui suis-je, moi? Une catin qui a mis au monde ton bâtard? Je suis une reine, et Césarion est ton héritier. Il est mon fils. Octave est mon héritier. Octave n'est pas la chair de ta chair. Il est romain. Je vais retourner chez moi en Égypte, où mon fils grandira et accomplira son destin en ayant un véritable pouvoir. S'il y est autorisé. Notre fils ne pourra accomplir son destin que si l'Égypte peut rester libre et non dépendante de Rome. Et ceci est en mon pouvoir. L'Égypte n'est libre que parce que je le veux bien. Et si tu restes sur le trône, c'est parce que tel est mon bon plaisir. C'est parce que je suis très épris de toi. Quelle est la force de ton amour? Je préférerais tout perdre plutôt que de te perdre, toi. Tu es en danger ici. Notre fils également. Je t'envoie Marc-Antoine pour vous protéger. C'est le seul en qui j'ai vraiment confiance. César. Mon neveu. Je suis très préoccupé. À quel propos? À propos de cette reine et de cet enfant qu'elle t'a obligé à reconnaître malgré toi. Cet enfant est le mien, Octave. Allons, Cléopâtre cherche à t'utiliser, mon oncle. À des fins personnelles, tout le monde s'en rend compte, à part toi. Cet enfant est un danger. Tu dois faire quelque chose. Que veux-tu que je fasse, mon neveu? Débarrasse-toi de lui. Cet enfant est une menace pour toi. Mon fils n'est en rien une menace pour moi et pour toi non plus. Tu es mon héritier à Rome. Sa vie à lui est en Égypte. Mais si tu touches à un seul cheveu de mon fils, tu ne resteras pas longtemps en vie.
vous prie de m'excuser. Je vais essayer d'être un peu plus adroit. Merci. Tu es l'incarnation de Dionysos. À certains moments, oui. Oui. J'ai combattu des centaines d'hommes dans ma vie, mais je dois reconnaître, Majesté, que tu me désarmes. J'envie César. Buvons alors à César, le chanceux. Il est vraiment aimé des dieux pour avoir eu tes faveurs. Quand viendra-t-il me voir? Il ne t'a rien dit pour moi? Que se passe-t-il? L'héritier de César, c'est lui qui a dû vouloir tuer mon fils. Va-t'en ! Qui t'envoie ? Qui t'envoie ? César, souverain absolu, et sa capacité divine à réaliser de grandes choses transcendent la simple expérience humaine. Elles sont absolues et surhumaines. Je réclame le titre de César, il me revient de droit. En tant que dictateur à vie et demi-dieu, j'écraserai la rébellion en Espagne. Je garantirai la sécurité de nos frontières avec la Syrie et l'Afrique. Et j'encerclerai la Méditerranée dans un anneau de fer. Ensuite, mes chers concitoyens, ensuite nous tournerons la puissance de Rome vers l'Orient. Nous partirons combattre notre plus grand ennemi pour notre plus grande conquête, voilà. Le royaume des Parthes. La gloire de Rome sera plus brillante, plus lumineuse que le soleil à son zénith. Ave César. 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 Dictateur à vie. Un roi. Un roi? Oh, César, il te faut d'abord te libérer de l'étroitesse de la pensée romaine. Demande plus, jamais moins. Fais en sorte qu'il t'honore comme un dieu. C'est pour ça que je t'aime autant, Cléopâtre. Je vais aller conquérir mon plus grand ennemi. Le royaume de Parthe? Mais j'ai besoin de ton aide. Nous le conquérons ensemble, Cléopâtre. Toi et moi. L'Égypte et Rome, en tant qu'alliés, main dans la main. Oseras-tu réaliser notre grand rêve avec moi? Oui, je serai toujours prête à oser, César. Mais d'abord, tu dois divorcer de Calpurnia, m'épouser et proclamer Césarion ton héritier. Je ne peux pas faire cela. C'en serait fini de Rome. Eh bien, finis-en avec Rome. Crée quelque chose de nouveau, de plus grand. César et Rome.
Mes ambitions sont immenses, démesurées. Mais elles sont romaines. Tout n'était que mensonge. Je vais repartir en Égypte où je suis une reine considérée comme une déesse et pas seulement une maîtresse. Non, ne pars pas, je te l'interdis. Tu dois rester avec moi. Tu me l'interdis? Me donnerais-tu des ordres? Et ce n'est pas de cette façon que je l'entendais. Je voulais dire que ce serait dans mon intérêt comme dans le tien. Je ne vois pas ce que cela m'apporterait, ni à l'Égypte. Si tu réussis à vaincre les Parthes, je serai toujours la putain de l'impérator et mon fils ne sera rien d'autre qu'un bâtard. Si tu échoues, mon peuple encourra la colère des Parthes. César ne peut pas échouer. Tu ne me crois pas? Tu ne me crois pas? Réponds-moi! Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit venant de toi? Pourquoi croirais-je que tu pars demain? Que tu vas libérer ma terre? M'épouser ou te montrer un digne père pour ton fils? Alors que tu es aveugle, au point de ne pas voir que ton précieux héritier veut tuer notre enfant? Je ne veux pas t'entendre parler ainsi, docteur! C'est pourtant la vérité! Je le sais dans mon cœur! Je le sais dans mon cœur de mère! Mon enfant est en danger, notre enfant! L'avenir de Rome! L'avenir de notre fils est en Égypte! Non, son destin est bien plus grand. Il réunira deux mondes. Il sera ton héritier. C'est impossible. Il n'en sera jamais ainsi. Alors, César, tu n'es plus rien pour moi! Plus rien! César! César, où vas-tu? Reste! Retourne dans ton royaume, Cléopâtre! Retourne en Égypte! J'irai conquérir les Parthes seul, je n'ai pas besoin de toi. Oh! L'enceinte sacrée d'un temple de Rome, la statue de Sakata. C'est grotesque. Tant d'arrogance. Quel dommage. Autrefois, il était fort. Mais sous l'emprise des plaisirs indécents, il est devenu faible. Il a un fils. Il finira par te trahir toi aussi, Octave. La seule personne qui l'écoute à présent, c'est Cléopâtre. Qu'attendez-vous exactement de moi? Que tu nous soutiennes dans notre lutte contre César. Pour le bien de la République, Octave. Pour défendre l'Empire romain. Je ne pourrai jamais trahir César. Mais je ne ferai rien contre vous. Les dieux semblent inquiets aujourd'hui. César. César. Marc-Antoine, Fulvia te réclame. Elle voudrait être reçue en audience particulière. Particulière? Accorde-la-lui. Brutus, je ne peux pas et je ne veux pas apporter mon soutien à cette pétition. Fulvia n'est pas là aujourd'hui. Tu dois faire une erreur? Je ne fais pas d'erreur.
Je suis empereur, je suis César. À toi, Cassius. Non, pas ça. Qu'arrive-t-il, Majesté ? Quelque chose. Monseigneur!